Mitumba et Muriel Blanche, une histoire rocambolesque digne d'un film d'amour. Pa Kipombia, plus connu sous le nickname de Mitumba, est quelqu'un que nous tous nous connaissons très bien. Il est celui qui a produit tellement de séries camerounaises qui ont eu du succès, et spécialement celle qui fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux. La série, la très célèbre série camerounaise à succès, Madame, Monsieur, dont la deuxième saison s'est achevée récemment. Il y a des rumeurs qui courent selon lesquelles Mitumba aurait fait les attalakours, on ne peut plus pimenter, de Muriel Blanche, aka Ma Défaut, ou encore Passy. C'est le nom en fait qu'elle porte dans la série Monsieur, Madame. Il dit, je cite, « Muriel Blanche est une bonne actrice. Elle me satisfait. » Moi, je mets seulement les points d'interrogation là-bas. Oh, maman, satisfait, là, c'est quoi? C'est un propos attaquatoire. Elle me satisfait. Franchement, c'est à faire mourir de rire, quoi. Parce qu'il y a aussi des rumeurs qui courent qu'il serait le père de la fille de Ma Défaut. Je dis ça, mais je ne dis rien, oh, maman. Pardon. Donc, quand il dit qu'elle le satisfait, là, bon, je suppose que c'est qu'elle, elle apporte vraiment un plus, en fait, à sa série. Elle joue bien son rôle. Bon, elle n'est pas forcément la meilleure actrice, hein, mais je veux dire, son jeu d'acteur, le rôle qu'elle joue, en fait, ça attire beaucoup plus de personnes parce qu'elle a là, vraiment, beaucoup de choses tournent, en fait, autour d'elle, quoi. Donc, elle est l'image phare, si on peut dire. Elle est le produit, en fait, quoi, qu'on est en train de mettre sur le marché. C'est grâce à elle que, vraiment, il y a beaucoup de gens qui suivent la série, quoi. Hein? Il ajoute, je cite, dans la série Madame Monsieur, elle est celle qui fait le plus vendre la série. Elle est la plus populaire. Bon, par là, moi, je suis vraiment d'accord avec lui parce que elle a beaucoup d'abonnés. Elle a tellement de followers dans tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, tout ça, quoi. Et puis, elle a du charme, vraiment. Elle a un charme, elle est très belle. Et puis, les gens sont les hommes comme femmes, hein, ils sont accros à elle. C'est vraiment grâce à elle que beaucoup de gens ont découvert la série. Et par ricochet, on a découvert aussi le talent d'autres acteurs. Donc, c'est vraiment, elle est vraiment le produit phare. Elle le satisfait, en fait. Je le rejoins dans ce sens-là, quoi. Il dit aussi, je cite, « Muriel Blanche est l'actrice qui vend le mieux la série. Elle n'est pas la plus professionnelle, mais elle a la plus-value. » Donc, elle apporte, en fait, la plus-value. C'est ça, justement. Donc, c'est grâce à elle, comme on dit là, que la chaîne vraiment est en train d'évoluer, que la chaîne vraiment peut avoir peut-être des partenaires d'affaires et tout, parce qu'on la met en avant, et puis ça attire en fait, quoi. Elle attire les gens parce qu'elle est bien connue, elle a beaucoup de fans, quoi. Elle a beaucoup de fans. Et donc, effectivement, c'est grâce à elle que la série a traversé les frontières du Cameroun. Son rôle dans la série, c'est celui de marketing, en fait, quoi. Donc, pour moi, vraiment, ça, c'est moi, hein, c'est mon analyse à moi. Elle fait le marketing, en fait, quoi. C'est elle qui fait en sorte que le film se vend, que ça se voit partout. Et ça marche très bien, hein, jusqu'ici, en tout cas. Par contre, son côté professionnel, c'est pas encore ça. Mais elle est sur la bonne voie, quoi. Elle est sur la bonne voie. Et nous devons l'encourager et la féliciter pour cela. Surtout qu'elle est presque l'actrice principale, comme je le disais tantôt, quoi. Donc, elle va devoir faire gaffe dans la saison 3. Surtout que nous attendons impatiemment le nouveau casting de cette saison qui a été lancé déjà et qui signifie qu'il y aura de nouveaux visages, il y aura de nouveaux acteurs, de nouveaux talents. On espère qu'ils seront tous aussi professionnels que la plupart des acteurs qui ont été dans les saisons précédentes. Donc, nous attendons les bras grands ouverts tous ces nouveaux acteurs. C'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi JAPAP et Motivation. Et à très bientôt. Love you guys and stay tuned. Bye bye.